Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Investiguer. Lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 20, les versets 20 à 23. Jean 18, les versets 36 et 37. Galates 3, les versets 26 à 29. Philippiens 3, les versets 20. Et Hébreux 11, les versets 13 à 16. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 20, les versets 20 à 23. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Il leur dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Jean 18, versets 36 et 37, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Galates 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu la chose promise. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Wabi Ménège, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Luc 5, les versets 27 à 39? Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Remue-ménage.